Michel Platini peut compter sur le soutien de l'UEFA. Suspendu 90 jours pour avoir reçu un versement d'€1,8 million de Sepp Blatter, versement qui a éveillé les soupçons de la commission d'éthique de la FIFA, l'ancien international français recueille donc l'appui de l'instance qu'il préside depuis 2007. We support Michel Platini's right to a due process and a fair trial. And to the opportunity to clear his name. We strongly call on all instances involved in the current process, FIFA's Ethics Committee, FIFA's Appeal Committee, and ultimately the Court of Arbitration for Sport, to work very rapidly to ensure that there is a final decision on the merits of the case by, at the latest, mid-November 2015. L'instance européenne du football n'a cependant pas exclu de présenter un autre candidat à la présidence de la FIFA si l'enquête en cours donnait tort à Michel Platini. L'actuel patron du foot européen, qui brigue la succession de Sepp Blatter, est engagé dans une course contre la montre pour prouver sa bonne foi. L'élection pour la présidence de la FIFA est prévue le 26 février.